Il était bancal, bancal, bancal de fou, mais j'ai toujours su qu'il allait réussir. Regarde, viens le petit frérot là-bas, viens. Voilà, avec ce disque d'or. Ah, c'est pas du toc, hein. J'ai toujours su, gros. J'avais mis un billet déjà. Magique, tu es beau comme un cœur. Allez, attends, tu es le plus beau. Yann, tout est sur la pellicule. Et nos empreintes dans un fascicule. Sa mère, j'ai du mal à respirer. Dans la cagoule en pleine canicule. French Connection et Kehla. Quartier nord de Marseille et Baïda. Avant ça passait en 4L. Mon prochain go face en Tesla. Yo, ben on est là pour la projection de l'épisode 3. Après avoir fait le 1, le 2. On a de la chance de le regarder avec les acteurs, les réalisateurs, nos amis. Et voilà quoi, on a un peu de pression, ça monte petit à petit. C'est quoi de voir un truc beau que t'as écrit comme ça justement, tu rentres dans le cinéma. Ouais, surtout voir le 1, tout ça, moi je réalise même pas. T'as la pression un peu là? Vous m'avez suivi depuis le resto de la fille de Totoro. Ah, on a fait... Incroyable. Incroyable. Check, c'est Léla le réalisateur. En premier, je vais remercier Dragby, Julio, Kachim, franchement on a fait le 2, on a fait le 3. Pourquoi pas faire quelque chose de plus costaud pour la prochaine fois. On n'a pas fait d'école de théâtre, pas d'école de scénariste, rien du tout. On est capable de faire pareil, voire mieux, parce qu'on connaît l'authenticité de ces rues. Voilà. Comment tu décompresses un peu là? Et là, je vais me poser sur le partager. Pendant que tout le monde fait la fête. Yes. Tout le monde fait la fête. Ah, c'est le job quoi. Je me mets dans un coin sombre où personne ne va me voir et je vais pouvoir travailler. C'est fou parce que pour moi j'ai passé toute ma vie, moi, toute mon enfance dans les cinémas. Je prenais le bus et je prenais la séance de midi et demi. Et ensuite je grugeais, tu vois, je rentrais dans toutes les autres salles et je sortais à 19h. J'aime le cinéma, j'aime ça. Moi j'aime la culture de toute façon en général. Mais le cinéma, ça m'a permis, que ce soit les trucs fantastiques qui m'ont permis de rêver, que ce soit les films d'action qui m'ont donné de l'adrénaline, que ce soit les films comiques qui m'ont permis d'oublier. J'ai franchi un cap, mais au fond de moi, je suis pas content. Non, je suis pas content parce que c'est la même. L'ascenseur ne marche pas, ça pue la piste dans les HLM. Le temps passe, j'en ai trop perdu à essayer de courir tout droit dans un chemin tordu. Ça va, on est là, on travaille, on bosse. Check. T'as refait les stocks un peu par rapport à l'année dernière là. Eh ouais, c'est vrai que l'année dernière on était tombé en panne, tu te rappelles? On était tombé en panne. Oh, ça va quoi? T'inquiète, on manque des stocks. Oh, maman mia. Combien vous êtes, l'équipe? 5. Allez, venez, donnez moi un téléphone. Vous fallait quoi, une chaîne de chacun? C'était quoi, une chaîne de chacun? Ouais, c'est des. Yo. Jeune de thèse, j'ai fini tôt là. Yeah. Pourtant j'étais futé et sur les plaques j'étais incollable. À la fuite. Dans le bloc ça crache des molars et ça porte les courses des darons qui passent avec le foulard. Ce que je rappe, moi je l'ai vécu. Le terrain, les problèmes, la mort et la guerre pour les écus. Moi j'habite ici, on est dans ce quartier. Mais pour les fans qui viennent de loin, non, c'est énorme. D'habitude ça se fait dans les boutiques, la Fnac, etc. Le fond vert, c'est un quartier où il y a toujours eu de la musique. Par les anciens, il y a toujours eu des rappeurs qui sont passés par ici. Et de voir un mec de son quartier réaliser ça, ben, ça fait que du bien. Dis-moi qui peut me dire dans les yeux son sentiment. Dis-moi quelle place j'ai donné un jour à un jugement. Dis-moi qui m'a mis la trique au beau métier et ses bâtiments. Et si je t'ai fait du mal, c'était pas injustement. J'en ai marre, je vois trop comme à la grille du mitard. Je me rappelle avec on rendait fou les motards. Je m'appelle Mourad Tahar Boussata. Je suis comédien, j'habite Marseille. Alors je joue le rôle de Amin, je suis un ami de Soso dans la série. Et j'en dis pas plus, faut regarder pour savoir ce que je fais. Un film c'est une histoire, et là l'histoire c'était des histoires vraies, entre guillemets. Il a pioché dans le réel pour pouvoir faire un truc de fiction. Donc l'histoire elle est prenante quoi qu'il arrive. Ensuite c'est une histoire qu'on raconte dans les vrais décors. Donc ça marche, et avec les vraies personnes. Dans la plupart du casting, c'est les vrais gens d'ici, et donc du coup ça marche aussi. Et les 2-3 comédiens qu'on était en plus, ben du coup on a apporté juste notre petit... comment il fait? Ça on a apporté notre...
notre petit grain de sel comme ça, mais déjà de retourner dans un cinéma c'était cool, et de se voir sur grand écran c'était agréable, et pas une surprise, mais quand même très très content de voir que sur grand écran ça rend super bien. Les gens vont le voir sur YouTube, mais sur grand écran c'est la folie aussi. Possible de faire un fait ouais, y'a pas de soucis, tu vas te galer frère. T'as 2 ans et demi, depuis qu'il a 1 an et demi. Il voit un avion, il me fait sous son manesse. Il voit un avion, il me fait sous son manesse. Il voit une voiture sous son manesse. Il rend fou, c'est qui? Allez, go le Zumba Café, toujours tu dis Zumba Café. Non, va devant la vidéo, vite fait comme ça, on le laisse tranquille, il travaille. Alors, comment tu dis? Oh, ça fait plaisir, machallah. Là aujourd'hui j'ai l'impression que c'est plus visite que l'année dernière. Ça s'arrête mais pas. C'est beaucoup mieux organisé. Ouais, ouais là c'est carré hein. Tout tour comme ça. Parcours semé d'embûches, grandis dans l'illégal. Des voitures calcinées, ici c'est Bagdad. J'entends rapper une rue que je connais pas. Et si j'ai un autre fils, je l'appelle Saddam. Moi dans la série je m'appelle Malik, mais sinon dans la vie je m'appelle Driss. J'ai 26 ans. Soso c'est un grand de mon quartier qui m'a toujours bien aimé. Voisin. Ouais c'est mon voisin, genre moi j'étais là et lui c'était le bloc à côté tu vois. Et à chaque fois, depuis petit, genre quand il sortait, bah, il me prenait, j'étais un petit qu'il aimait, tu vois. C'est-à-dire à chaque fois qu'il faisait un truc, il me prenait à moi. Il est 19h, il y a les comptes qui sont postés là-bas, on s'attend quelque chose. Maintenant, pour la suite du truc, pour commencer le concert. Le frère, le frère. À quelle heure tu le commences? Toi, à 20h. Toi, il habite là, moi. 20h30, tu montes 20h30, une demi-heure de concert. Ah oui. Sans guerre, y'a pas de vie sans tuer. Je poursuis quand t'es accompagné, j'ai pas de permis. C'est comme ça tout le week-end, c'est le confinement, mais je me permets. Dans les salles, c'est fait belle, pour que ça se termine. Show Ice, trop calme. Alors on verra, elle vient de sortir hier, le clip à midi tout à l'heure. On est déjà en train de tout casser. Et ça fait DJ. Ah, c'est bon. DJ. Avec moi ça fait tout, mais ça fait rien. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ça la vodka RS3, 4K cool, un traceur cherche le AK. 5 Chanel, MDNR Go, Magadji, c'est Petrushka. Dans la zone, on prend la droite, ça fait des pères, c'est les avants. Dans la zone, j'suis sous biche, j'suis sous terre, ça la vodka RS3, 4K cool, un traceur cherche le AK. 5 Chanel, MDNR Go, Magadji, c'est Petrushka. Vous êtes les meilleurs. À l'année prochaine. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Comment ça s'appelle hein, le truc après 21h? Couvre-feu ou pas couvre-feu? Ce soir, il n'y a personne qui m'arrête. Ce soir, tout le monde, il a sorti. J'arrive à de suite. Tous les jours, je fais TP. Tous les jours, je fais TP. On est bang bang. Tous les jours, je fais TP. Tous les jours, je fais TP. Cache, on est bang bang. Les gars, il est hors de question qu'on laisse le bloc comme ça, vous le savez. Je veux que c'était éprouvant, check. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? Ben, on a déjà une meilleure organisation de notre part. On est toujours dans la joie et dans la bonne humeur. On a eu un concert, on a eu des guests, CHPLK. Je vous embrasse mes frérots. Mais beaucoup plus de monde, donc c'est physique. Hein. Mais bon, pour les potes, deuxième souffle, troisième souffle, on y va, on va la guerre. Peut-être que je vais sortir, je vais me faire quiller, mais on ne voit pas le ring. La Tourka, on est venu voir Soso Maness. Avec le frérot. Soso Maness, c'est le sang, il a été là pour nous. Il a fait un concert de fou. Bisous à la Belgique. Peut-être l'Euro cette année. Bisous à toute la France. On espère. À bientôt.
Merci à nos partenaires M2J, CBD, qui nous aident à faire ces vidéos de qualité sur la série Check Inside, au cœur du travail des meilleurs artistes. C'est du CBD de qualité, des produits bio, 100% légaux. On vous a mis toutes les infos en description et il y a un code promo, CHECK20, 20% de réduction sur tous les achats. Force à eux, SO, M2J, CBD.